Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Nous voilà sur les vidéos des défis quotidiens. Alors juste avant de visionner la vidéo avec les défis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, commenter, liker et partager cette vidéo. Alors là, c'est la petite vidéo d'introduction avant de vous mettre au défi juste après pour un petit peu vous expliquer tout ça. Alors vraiment, je vous invite à passer à l'action et à mettre en place ces défis quotidiens et vraiment de visualiser toutes les vidéos et de mettre en place, c'est de passer à l'action. Donc je vous dis à tout de suite dans le défi. Alors voici le premier jour des défis. Alors je savais que vous aviez hâte de commencer, et ben voilà, c'est parti. Donc normalement, comme on avait dit, vous avez votre petit carnet, voilà la couleur que vous voulez, le format que vous voulez, quelque chose qui vous plaît, voilà, pour pouvoir noter quotidiennement, vraiment c'est important, de prendre 5 minutes tous les matins, vraiment tous les matins. Ce sera votre premier défi. Notez tous les matins dans votre petit carnet quel est votre objectif de la journée. Voilà. Et surtout, quel est l'objectif de ce défi? Est-ce que pour vous, vous souhaitez booster votre fertilité pour pouvoir enfin réaliser votre rêve de devenir maman, donc tomber enceinte? Ou soit vous êtes enceinte déjà et vous souhaitez gagner en sérénité parce que vous êtes stressée par les examens, toutes les choses à faire pendant la grossesse? Ou vous êtes une maman qui est un peu fatiguée avec ses enfants au quotidien, voilà, un petit peu dépassée, ce qui m'arrive aussi. Hein. D'où pourquoi je vais aussi faire ces défis avec vous en vidéo et tous les jours, je vais réaliser le défi qu'on fera ensemble. Voilà, donc premier défi du jour, une fois que vous avez trouvé votre carnet, vous notez quel est votre objectif pour ces 21 jours. Voilà, donc moi par exemple qui suis déjà maman, ce serait de gagner en sérénité. Et donc, ça s'adapte à chacune d'entre vous. Vous notez votre objectif. Quel est votre rêve et qu'est-ce que vous souhaitez atteindre voilà, comme but à la fin des 21 jours. Une fois que vous êtes focalisé sur ça, vous gardez en tête tous les matins que votre objectif, c'est ça, pour garder en motivation. C'est surtout ça l'essentiel, c'est qu'il faut rester motivé. Parce que si vous suivez ou vous regardez seulement les vidéos, mais que vous n'agissez pas, et du coup, ça n'a aucun intérêt parce que vous ne verrez pas les bénéfices de ces défis. Donc surtout, agissez. Peu importe si vous faites des ratures dans votre carnet, peu importe, si, c'est pas l'objectif d'être parfait, c'est de faire tout simplement. Donc alors, je compte sur vous pour faire les défis. Et donc, n'hésitez pas, likez, commentez, m'envoyez des petits messages, me dire où vous en êtes. Si vous avez, vous rencontrez des difficultés au quotidien, n'hésitez pas à me dire. Et du coup, j'adapterai peut-être certains défis au fur et à mesure ou pour les prochaines fois. Voilà, merci à vous et on se dit à demain. Prenez soin de vous. Voilà, c'était le défi du jour. J'espère que ça vous aura été utile. Pensez bien à le mettre en action quotidiennement, assemblez à tous ces défis. Et je vous dis à demain. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à commenter, liker, partager. Donnez-moi vos ressentis sur ces vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !